Europe 1, 8h05. Voici Jérôme Commandeur, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vos humeurs nous entraînent du côté de Nice ce matin. Et oui Bruce, rififi au pays des caniches et des brushings violets. La promenade des Anglais se réveille en tremblant ce matin, c'est une information d'aujourd'hui en France. Le Negresco, l'hôtel, est mis sous tutelle. Alors cet hôtel évidemment c'est ce palace niçois qui a vu passer toute la haute société durant un demi-siècle. Churchill, François Truffaut, les Beatles. Sa propriétaire, Jeanne Ogier, 90 ans et toutes ses dents, vient d'être mise sous tutelle. Alors, une Jeanne Ogier, grande passionnée d'art, hein. L'hôtel possède, écoutez bien, près de 1300 tableaux, un record. Alors, 1300 ou plutôt 1299, 1298, je vous le fais à 1290, vous, parce que l'article nous apprend qu'entre les lignes, il se peut que parfois, sachant que la propriétaire a 90 ans, elle ne compte pas tous les tableaux, tous les matins, le nombre de tableaux peut varier. Hein. Ouais. Regardez là-bas la mouette, Madame Ogier. Ah bon, où ça? Allez hop, crac, le Dali, dans le camion. Elle est où la mouette? On s'en fout. Alors, tout ça n'a que trop duré. La propriétaire, riche d'une fortune de centaines de millions d'euros, attire les convoitises. Une Madame Ogier qui, malgré son grand âge, était tout récemment encore très attachée à la propreté de l'hôtel, allant jusqu'à passer le doigt derrière les appliques pour voir si le ménage était bien fait. C'est tout à son honneur. Elle s'est même baissée, mise à quatre pattes pour regarder sous un lit si les moutons de poussière ne traînaient pas sous le sommier. Le souci, c'est qu'elle est restée coincée, la tête sous le matelas, qui a fait un peu désordre à l'arrivée des clients, reconnaissons-le, et fait baisser momentanément l'hôtel de quelques places sur TripAdvisor. Alors, une dame qui a géré un hôtel pareil d'une main de maître pendant toutes ces années ne s'évince pas comme ça, mais ces derniers temps, cela devenait nécessaire. Bonjour, Madame Ogier. Bonjour, mon petit Baptiste. Dis donc, vous avez vu un truc, vous? Vous avez le regard bizarre. Comment vous dire, madame? Vous êtes en nuisette. Ah bon? Oh, vous m'étonnez, je croyais être toute nue. Oh bah j'ai raté mon coup alors, moi qui voulais faire le buzz. Madame, puis-je me permettre de vous raccompagner en chambre? Nous attendons monsieur l'évêque pour la conférence épiscopale. Ah mais non, il est là. Bonjour monsieur l'évêque, je vous ai mis une paire de filles à la 102. Oh, oh là là. Le veuve Clicquot, il est pour moi. Par contre, vous me les rendez en état. Hein. J'ai l'ambassadeur du Gabon qui arrive à 15h. Hein. Je veux pas de miettes sur la table basse. Vous trouverez la petite clé de la sortie de service sous l'oreiller, comme d'habitude. Alors, une femme âgée, richissime, qui perd la boule, il se murmure que Liliane Bettencourt pourrait porter plainte pour plagiat. Bravo et merci à Jérôme Commandeur. Et à demain, Jérôme.